On doit gagner pendant les matchs, on doit gagner confiance pendant les matchs, chaque minute, chaque challenge compte. Et voilà, c'est en finale et on veut montrer que nous sommes capables de gagner un match difficile comme ça. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la quotidienne, une finale. C'est ce que dit Thomas Tuchel et c'est pour le PSG ce soir face à Leipzig. Le classement du groupe, on le voit, à Paris est troisième pour le moment derrière Manchester et son adversaire du soir. Alors on adore les conférences de presse de Thomas Tuchel à chaque fois avant la Ligue des Champions parce que vous le savez, il y a le traducteur qui est là, toujours pareil en Champions, mais il l'avait oublié Thomas Tuchel et il a l'air super heureux au moment où il se rend compte que le traducteur est là en fait. Vous avez raison que les deux choses sont possibles. Ja, also die Frage an den Trainer war, morgen ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Bon, et l'entraîneur du PSG qui n'aime pas rien faire, mais vous le savez, généralement, ses réponses sont très très longues. Et donc, à chaque fois, le traducteur doit traduire ses réponses très très longues. Et pendant ce temps-là, l'ennui est une nouvelle fois palpable. Ouais. Deshalb brauchen wir auch zwei Minis. Und jetzt haben Sie natürlich auch letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht, gerade auch in entscheidenden Spielen. Wie sehen Sie die Moral bei den Spielern? Wie sieht es da aus? Die Antwort ist hier ein Vorteil insgesamt. Neymar, ein Spieler wie Neymar ist natürlich sehr, sehr wichtig in den Spielraum. Bon, et c'est vrai en tout cas qu'en cas de défaite, l'avenir de Thomas Tuchel serait plus que jamais incertain au PSG, même si on lui souhaite évidemment une victoire. Le sujet a été abordé. Hein. Et on sent que ce n'est pas un thème avec lequel l'entraîneur allemand est très à l'aise en ce moment. Vous avez reçu personnellement des garanties, soit de Nasser Al-Khelaïfi, soit de Leonardo, que quoi qu'il arrive demain, vous serez toujours entraîneur du PSG. Non, c'est pas nécessaire. Bon, et juste après, il a été un petit peu plus précis dans sa réponse, mais en allemand, alors qu'on lui avait posé la question en français, et ça donne un moment un petit peu bas, de flottement, un peu étrange. Du kannst noch sagen, wenn es so wäre, würde mich das mehr verunsichern, als wenn es nicht so ist. En français, alors si c'était le cas, ça me rendrait moins sûr que c'est le cas actuellement, en fait. Allez, petite question du jour les amis, selon vous, est-ce qu'une défaite face à Leipzig aujourd'hui scellerait le sort de Thomas Tuchel? Est-ce que selon vous, il resterait l'entraîneur du PSG? Ou alors selon vous, le club de la capitale le remercierait? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera deux commentaires demain. Allez, le football vrai, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne. On vous montre souvent des beaux buts et aussi des boulettes, c'est vrai. Mais cette fois-ci, on va mettre en valeur un gardien de but. Vanderlei, le gardien de Grêmio qui a réalisé une parade exceptionnelle, c'était face aux Corinthians. Alors ça vaut largement un but, hein, ce qu'a fait Vanderlei dans ce match. Surtout qu'il y a eu 0-0 au final, donc il a largement sauvé son équipe avec cette intervention. Et encore un coup franc magnifique qui nous vient du Japon cette fois-ci lors de la victoire 5-1 d'Okayado, c'était face à Shimizu. Et sinon, et ben, résultat obligatoire aussi pour Rennes ce soir face à Chelsea, toujours en Ligue des Champions, pour espérer rester européen longtemps cette saison. Rennes qui ne compte qu'un point pour le moment dans son groupe en Champions. Rennes qui n'est pas au mieux en ce moment, mais Julien Stéphan veut rester optimiste. Il ne faut pas paniquer, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, c'est une catastrophe ce qui arrive. On est soudés, on reste soudés ensemble, avec une volonté féroce et de tous les instants de chercher la solution, et on va la trouver avec les joueurs, ça c'est une certitude. Et vous le savez, en parlant de ce match, dimanche dans Téléfoot, Olivier Giroud a dit que si sa situation n'évoluait pas à Chelsea, eh ben, il songerait sérieusement à prendre une décision cet hiver, donc un départ potentiellement de Chelsea, et son entraîneur Frank Lampard lui a répondu avant le match de Rennes ce soir en conférence de presse, et bah, il n'est pas du tout du même avis Frank Lampard. He's a huge member of the squad for me. So I want Oli to be here and to stay. I have a very good relationship with Oli, and if ever he felt that it was going to go a different way, then I would happily have that conversation with him, but I want him to stay here. Interview à présent qui fait beaucoup parler depuis 24 heures, celle d'Antoine Griezmann pour le média espagnol Movistar Plus, l'attaquant du Barça qui est revenu sur son transfert en Catalogne et son adaptation dont on a beaucoup parlé depuis qu'il est à Barcelone. Premier extrait sur son transfert avorté en 2018 lorsqu'il avait choisi de rester à l'Atlético avec sa fameuse vidéo. J'ai parlé avec Léo quand je suis arrivé, il m'a dit que j'avais fauté en refusant de venir la première fois parce qu'il s'était réjoui publiquement de mon arrivée, mais il m'a aussi dit qu'il allait mourir avec moi sur le terrain et c'est ce que je ressens chaque jour. Voilà, donc l'attaquant des Bleus qui se veut rassurant quant à sa situation, sa relation surtout, avec Messi, et il s'est aussi exprimé en revanche sur sa lassitude vis-à-vis des critiques dans les médias, dont il fait quasiment l'objet
quotidiennement en Espagne, surtout depuis qu'il a signé au Barça. Mais au sein du club, en revanche, aucun problème, selon Antoine Griezmann, qui s'y sent parfaitement bien. Je suis très bien ici, il n'y a aucun problème avec personne, le club m'a fait confiance en m'engageant et je veux lui rendre cette confiance en aidant l'équipe à gagner. Voilà Antoine Griezmann qui s'est montré très optimiste et il a raison quant à la suite dans cette interview. Et pour finir sur Griezmann, tenez, dans un tout autre registre, sa structure e-sport a signé un partenariat avec l'OM, notamment pour représenter le club sur FIFA 21 en e-Ligue 1. Grizzy e-sport et l'OM s'est donc signé et on rappelle que l'attaquant du Barça n'a jamais caché son attachement pour l'OM. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si selon vous Tottenham pouvait viser le titre cette année. Mathias nous dit ils font partie des grands prétendants au titre cette saison, effectif, solide, bon entraîneur, mais aussi des clubs comme Liverpool par exemple affaiblis à cause des blessures. S'ils continuent, ils finiront en tête. Théo nous dit Tottenham est à l'image de son entraîneur, trop irrégulière, même s'ils ont fait un bon début de saison. Je ne les vois pas concurrencer City ou Liverpool sur une saison entière. Et c'est la fin de la quotidienne. Les amis, merci de nous avoir regardés. Bon match pour ceux qui vont suivre le ballon ce soir. On en reparle demain dans la quotidienne, évidemment, avec Licia. D'ici là, on vous embrasse. Passez une très belle soirée et à très vite. Salut. Quand je suis avec toi, y'a un tas de choses que j'oublie. Roule avec moi, dans le Gamos, dans la ville. Roule avec toi, je compte pour tuer l'ennui. Viens, on fume toute la weed. Trouve-moi à minuit, j'ai souvent de l'insomnie. Sauf ça quand je conduis, viens. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.